fait des trous dans la rate. C'est un bon gros coup, ça. C'est une gentille poupou, ça. Herdi Moussaillon, tout le monde sur le pont. Eh bien alors, Herdi Moussaillon, tout le monde sur le pont. Allô, allô, on accélère le mouvement. Crustacé malfaisant, qui t'a autorisé à débaucher mon équipage? Tu sais ce que ça coûte, l'encouragement à la désertion? Décapitation! Et après, pendaison! Mais ça, ce serait si tu payais ton équipage. Je le paye! Quand je peux! On est soudés dans le calme comme dans la tempête! Si vous permettez, on se dessoude pendant quelques jours! Je permets pas! Ouais, mais celui-là qui paye pas, il commente pas, non plus. C'est bien ça la formule? Oui, à peu près. J'ai besoin de personnel, car j'organise une grande fête pour l'anniversaire de mariage de Pénélope et moi-même, avec toutes les personnalités de l'île. Évidemment, tu n'es pas invité. De toute façon, je viendrai pas. Tu n'es pas une personnalité de l'île, toi. Tu es une curiosité. Attention au champagne. Ce qui serait bien, c'est qu'on travaille pour vous et qu'Irvin nous paye. Vous nous en voulez pas, hein? Non. Parce que je peux très bien me passer de vous. Je fais une grande fête avec tout ce qui compte sur l'île. Il est là. Pénélope, tu vas voir ma vengeance, Irvin. Excusez-moi, je ne fais que penser. J'ai pris le thé avec Pénélope. C'est leur 15 ans de mariage. Ah, bien. Irvin veut faire une fête inoubliable. Ça, il va pas l'oublier. Pénélope est contente, bien sûr, mais elle... Hey, moi aussi, je t'aime. Suivez-moi, sans faire d'histoire. Suivez-moi, sans faire d'histoire. Suivez-moi, sans faire d'histoire. Non, ça colle pas à mon physique, ça. Suivez-moi, sans faire... Ah bah non, là, on me reconnaît, là. Oh. Ah, suivez-moi, sans faire... Suivez-moi, sans faire d'histoire. Suivez-moi, sans faire d'histoire. Et, ah, suivez-moi, sans faire d'histoire, là, dis-donc, là. Suivez-moi, sans faire d'histoire. Non, à pire, on improvisera demain matin. Prends ton temps. Allez, il faut préparer la fête. Ne vous direz rien. Allez, suivez-moi sans faire d'histoire. Ciel, un kidnappeur! Au secours! Je vous préviens, mon mari est quelqu'un de très important. N'exagérons rien. De toute façon, mon mari vous retrouvera, alors. Il vous le trouvera quand il aura payé la rançon. Et c'est Irvin le requin. Bonsoir, Lucille. Pénélope n'est pas rentrée depuis ce matin. Elle n'est pas avec vous. Oh non. Tu as vu Pénélope aujourd'hui, Victor? Pénélope? Ah non, non, j'ai pas vu Pénélope. Et j'ai pas vu mon équipage non plus. Avec un mari comme toi, elle a besoin d'air. Ah.
même. Elle aurait pu avoir un accident. Mais non. C'est bien sûr de toi. Des nouvelles de Pénélope? Je te trouve bien aimable. Pénélope ne m'a rien fait, elle. Je m'inquiète, moi. C'est une lettre de Pénélope? J'ai cru voir écrit Pénélope. Non, ce n'est pas une lettre de Pénélope. Laisse-moi. Alors pourquoi il y a écrit Pénélope? C'est sûr que c'est pas une lettre de Pénélope. Elle n'est pas rentrée cette nuit. Bizarre. Tu serais pas tellement invivable qu'elle serait partie avec un autre? Pas du tout! On l'a kidnappée! Fallait pas le dire. T'inquiète, je garde le secret. Nous faire ça 4 jours avant la fête. Pénélope, je te libérerai. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Quand on aime, on compte pas. Bravo, Irwin. Tu sais combien? 100 000. Je... 100 000. Ah non, il ne faut pas céder aux terroristes. Des rançons maintenant. Comme si je payais pas assez d'impôts. Attends, attends, regarde là. Là, il y a écrit « Je ne plaisante pas ». Il plaisante pas. Et moi, encore moins. Je vais à la police. Non, non, Irwin, non, non, non. Pas la police, Irwin, pas la police. Qu'est-ce qui se passe? On a enlevé votre mère. On lui arrachera les yeux. On l'enfermera dans une caisse avec des hérissons. On lui coupera le zizi. Oui, bon, bah ça va, ça va, ça va. Irwin, sois raisonnable. Ce type est dangereux. Il faut payer. Pas question. On va la retrouver. Irwin, pas la police. Et qui alors? Eh ben, et moi. Je... Fais-moi confiance, papa. Pour une fois. Mais oui, Hercule fera ça très bien. Petit Hercule. Soit, mais la fête d'anniversaire de mariage est dans 4 jours. Ce serait bien si ta mère était là. Tiens, vous travaillez aussi pour lui, patron? Et je ne vous connais plus. Et Irwin refuse de payer? Tu te rends compte? Tu pourrais peut-être lui parler. Remarque, il a peut-être raison. Mais non, il a pas raison. Si on t'enlève, moi je paie tout de suite, sans faire d'histoire. Et s'il paye et qu'on lui rend pas Pénélope? Mais bien sûr que je... qu'il va la rendre. Qu'est-ce qu'il en ferait? En tout cas, nous, on part à sa recherche. Si on la retrouve, on aura peut-être une prime. Oui, eh ben, soyez prudents. Moi aussi, j'y vais. Et puis j'emmène un casse-croûte. C'est drôlement gentil de te préoccuper autant de Pénélope. Mairie! Pas la peine, je dînerai à la maison. Comment les payer? Il n'a pas encore payé. Mais vous n'allez pas me faire de mal. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Non, vas-y. Enfin, non. Non, parce que votre mari est payé. Oh, j'en suis sûre. En attendant, quel calme. Et c'est vous qui avez découvert cette grotte? Mais vous avez vu ces sculptures prépiratesques merveilleuses? Merveilleuses, merveilleuses. Merveilleuse. Vous appréciez l'art? Vous êtes un personnage étonnant, monsieur le kidnappeur. Youhou! Qu'est-ce que c'est que cette ménagerie? Irwin m'a demandé de m'occuper des enfants. Yeah! Oh! Silence, ouais! Les filles! Non! D'abord, t'es même pas notre mère. Yeah! 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 Je dois bien ça à Pénélope. Les chambres, c'est les petits d'un côté et les grands de l'autre. Moi avec Bigorneau, toi avec tes sœurs. Vous n'avez pas le droit de chercher. C'est pas votre mère qu'on a kidnappée. Les kidnapper, c'est à tout le monde d'abord. C'est à ceux qui les trouvent. Eh ben, on va voir. Ouais.
C'est pour qui le bâton? Alors, tu vas payer? Je gagne du temps. Ah ah, donne le bâton, donne à papa. Allez, donne. Ça va déstabiliser le kidnappeur. Mais ce type a des nerfs d'acier, ça se sent. Écoute, quand tu arriveras à payer ton équipage, tu me donneras des leçons de stratégie. Oui. C'est pour qui le bateau? C'est pour qui? Enfin, je commençais à me sentir seule. Passionnante, ces poteries pré-piratiennes. Je retrouve l'excitation de ma jeunesse. Ah! Oui, j'étudiais l'art, vous savez. Et puis, j'ai rencontré Irvine. Il était si brillant, si sérieux. Ah bon? Enfin bref, j'ai arrêté mes études. Eh bien, je... Parfois, je le regrette. Mes 15 ans de mariage ont passé. Vous m'avez enlevé au bon moment. Les mondanités, les dîners, je saturais. Fatiguée, et cette vie de fou. Merci pour ce moment de paix que je n'arrivais pas à m'accorder. Et en plus, il y a ces magnifiques statues. Mais bien sûr, mais... Pour cet anniversaire, moi j'aurais préféré une île de luxe, juste tous les deux, plutôt que cette réunion de notables. C'est cher, le luxe. Irvine a les moyens, mais épouser un homme riche, ça n'a pas que des avantages. À propos, il a toujours pas payé. Ça, c'est tout, mon Irvine. Il faut toujours qu'il discute les prix. Il a horreur qu'on lui force la main. J'ai peut-être le demandé trop. Combien avez-vous demandé? 100 000. Seulement? Eh ben, je voulais pas. Je comprends votre délicatesse. Vous pensiez à moi, aux enfants. Mais vous pouvez demander... 300 000. Un anniversaire de mariage, c'est l'occasion de voir combien il m'aime. 300 000? Si je dois rester quelques jours, j'aurai besoin de 2-3 bricoles. Matin, donc c'est par ici qu'il faut chercher. Là, des traces de pas. Là. Vous avez pas le droit de chercher au même endroit que moi. On a trouvé le fils. La mère n'est pas loin. Je fais quoi pour la fête? Tous les invités ont acheté des costumes, enfin je ne peux pas annuler. Sauf que... sans Pénélope. Mais payé... Quand Pénélope sera libérée, inutile d'espérer qu'elle garde le secret. Les impôts me demanderont d'où j'ai sorti l'argent de la rançon. Tu comprends ce mot? Impôts. Irvine! Une lettre du kidnappeur dans mon jardin. Et pourquoi dans ton jardin? Ah, ce type doit être supérieurement intelligent. Allez, je l'ouvre pour toi. Oh là là! Oh, le prix est monté à 300 000! Je t'avais dit de payer tout de suite! Bon, je te laisse réunir la rançon. Où tu caches ton argent, ça ne me regarde pas. Vous allez payer, Irvine? Je ne sais pas. Le requin ne cède pas au chantage. Bien sûr. Mais pensez à Pénélope! Je sais, c'est votre amie. Mais enfin, c'est votre femme. Pensez un peu au calvaire qu'elle doit subir. La, 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 la. Voici affaire à vous. Vous avez cambriolé ma maison pour m'apporter des produits. Décidément, vous êtes un gentleman. Ma normal. La modestie, signe de la vraie grandeur. Irvine devrait se le répéter parfois. Oui, je apprécie. Non, restez un peu. Ah, franchement, moi, pas pouvoir. Un autre riche a dévalisé pour donner aux pauvres. Alors, je vous laisse, Robin des Mers. Mon Dieu! Il respire heureusement. Montre-moi ton visage troublant, inconnu. Le bouche à bouche. Allez! Bien sûr que j'aurais trouvé si vous brouillez pas les pistes. Tu parles! T'as dû détruire tous les indices! En plus, t'es bigleux! On revient du dessert! Non, 3 fois, ça suffit! On est malheureux! On a perdu notre maman! On revient du dessert! Silence! Allez, au lit et sans un bruit! Je te trouve bizarre, Victor. Moi? Ouais, t'es énervé?
Tu passes tes journées dehors, tu fais plus attention à moi. Mais non, mais t'exagères, Pénélucile. Toi, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Le kidnappeur! Viens, on le poursuit! Aha! Busquet, je le tenais. Et voilà, il s'est échappé. Il était affreux. Tout noir, avec des grandes dents. Et des petits yeux cruels. Moi, j'aurais plutôt dit un petit peu simplet, les yeux. Ouais, des yeux de cochon. Intelligent et cruel. Oh, ne fais pas de bêtises, Irvine. Je l'avais dit, il devient nerveux, il fait des fautes. Ce n'est surtout pas le moment de payer. Mais enfin, Irvine, ne joue pas avec la vie de Pénélope. Pense à la chance que tu as d'avoir une femme pareille. Elle a de la classe et... Oh, pense à son sourire. Comment peux-tu supporter de ne plus dormir dans ses bras? Si tu ne paies pas, elle ne sera pas là pour votre anniversaire. Tu as raison. J'annule la fête d'anniversaire. Le sourire de Pénélope, les bras de Pénélope. Jamais tu ne parles de moi comme ça. Ou bien elle décide à payer. Vous n'êtes guère bavard. Où en étais-je? Oui, je sais. Un homme comme vous est condamné à la solitude et au silence. Quoique, la solitude n'est jamais une fatalité. Vous pouvez arrêter de parler. Pour une fois qu'on m'écoute. Mais vous avez raison. Parlez-moi plutôt de vous. Bandit de grand chemin ou justicier? Justicier! Oui, je prends aux riches, je donne aux pauvres, j'enlève la veuve pour donner la rançon à leur folin. Je suis fatigué. Fatigué d'être seul? Non, fatigué de ce kidnapping qui n'en finit pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce malheur, que ce mari que vous a fait? Oui, peut-être me suis-je trompée. Peut-être étais-je faite pour une autre vie d'aventure et de passion. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est la haine. C'est la rançon. Et puisqu'Irvine ne veut rien entendre, je vais lui envoyer un bout de sa femme à 2 ou 3 000. Je sais que vous ne ferez pas ça. Ah bon? Lucille, c'est moi. Qu'est-ce que t'as, tu bouboudes? Écoute, je t'assure que... C'est quoi ce parfum? Un parfum? Tu sens un parfum de femme que je connais. Ah oui, je suis passé au supermarché, alors j'ai accroché un rayon. Fais voir ce que tu as acheté au supermarché. Il y a ce supermarché. Et ben voilà, c'est... Tu crois que... Que quoi? Oh, Pénélope! Oh non! Elle est beaucoup plus grande que ça. Mon Dieu! Pardonne-moi! Je vais payer. Scorpy! La serviette de Pénélope! On va la faire flairer par ses gamins. Il retrouvera peut-être la piste. Non! Elle est à moi! C'est la serviette de ma mère! C'est nous qui l'avons trouvée! Mais... Il tient la piste! Bravo, ce gamin! Continue! Cherche, sans le parfum de maman. Et pas si vite.
Cherche, cherche. Maman, maman. Mon cucul, c'est toi qui viens me sauver. Je suis un héros. C'est Pénélope qu'on cherche. Je suis là. Pénélope. Pénélope. Et c'est mon Hercule qui m'a sauvée. Oh, Pénélope, j'ai eu très peur. Le kidnappeur a été très gentil, quoique un peu énervé sur la fin. En tout cas, il a emporté la rançon. Du papier journal. Irvin, je te hais. On discute ou tu t'éclipses encore lâchement? 300 000! Quel cadeau d'anniversaire de mariage! Tu n'as pas de prix, ma Pénélope. Mais t'as deviné quand c'était moi? Bien avant le parfum. J'avais la puce à l'oreille. Tu peux tromper beaucoup de monde, mais pas moi. C'est romantique ici. Mais alors Pénélope bavarde. Oh, bavarde. Lucille, un seul baiser de toi vaut toutes les rançons de Pénélope. Et moi, je paye tout de suite.